vous raconter une histoire en musique. L'histoire du chat et de l'oiseau, inspirée d'un tableau de Paul Klee, que je vous mettrai à la fin de la vidéo. Paul Klee, je l'aime beaucoup parce que c'est un peintre qui est aussi musicien. Il a été violoniste. Il a vécu dans une famille de musiciens. Et dans ses tableaux, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de mouvements. Il y a de la musique. Voilà. Et dans ce livre, j'ai beaucoup aimé les images parce que vous allez pouvoir le voir à l'écran. Vous allez avoir plein écran sur les images du livre. Il y a beaucoup de couleurs. Et l'histoire m'a fait penser à ce que nous vivons actuellement, c'est-à-dire le confinement. Parce que le chat va être confiné lui aussi. Donc, pour vous raconter cette histoire, je vais vous montrer les petits instruments que je vais utiliser. Tout d'abord, il y aura, en premier, pardon, il y aura le coussin. Donc, ça commence bien, c'est pas un instrument, mais il y aura le son du coussin. Ensuite, il va y avoir les grelots, un petit œuf. Un instrument que j'ai fabriqué moi-même parce qu'il fallait faire un son de clé. Donc j'ai fabriqué cet instrument avec une boîte de conserve où j'ai mis du tissu dessus pour que ça soit plus joli. J'ai récupéré des vieilles clés qui ne servaient plus à rien et je les ai pendues avec un. Alors vous pouvez mettre de la laine, moi j'ai pris du Scooby-Doo parce que j'en avais. Voilà. Il me fallait le bruit des clés. Ensuite, nous allons avoir une chenille. Alors, ça s'appelle la chenille parce que tout simplement, comme vous pouvez le voir à l'écran, ça fait le mouvement de la chenille. Ensuite, il y a un petit güiro qui fait aussi maracas. Güiro, maracas. Ensuite, il y a le wah-wah. Va représenter l'eau du ruisseau. Ensuite, l'oiseau. Qui est un appo, le fameux tambourin sans cymbalette. Alors, dans cette histoire, je vais l'utiliser comme ceci, en le frottant. Ensuite, il va y avoir le pivert, qui est aussi un appo manuel, qui représente le bruit du pivert. Enfin, le djembé. Le petit xylophone. Il y aura en dernier aussi, pardon, le chim. Voilà, c'est un instrument que j'adore beaucoup. Extraordinaire. Donc voici l'histoire. J'avais tout pour être heureux. Dans ma maison au volet bleu, un panier bien douillet, du lait chaud, des jouets, de l'herbe à déguster, et même à mon collier, une médaille ronde comme un soleil, portant mon nom gravé. Mais elle était fermée, ma cage dorée, fermée à clé, fermée à double tour. Alors, du matin au soir, et du soir au matin, couchée à la fenêtre, moi, je rêvais. Dehors, le jardin était si beau. En fermant les yeux, je retrouvais l'odeur des châtaignes, les feuilles rousses de l'automne, le tapis de mousse si doux sous mes pattes. L'eau du ruisseau qui clapotait. Et perché en haut d'un arbre, toi qui chantais,
je t'ai admirée en me léchant les babines. Car il fallait bien l'avouer, j'avais envie, grande envie même, de t'attraper d'un coup de griffe, d'un coup de croc, et crac. Déjà, je te voyais au fond de mon estomac, pour de bon, pour toujours. Mais en moi, quelque chose était plus fort encore que le désir de te croquer. Au fond, plus que tout, je t'enviais. Toi, tu étais libre, libre de voler. Libre d'aller où tu voulais, de sortir, de rentrer quand bon te semblait. Libre quoi, et moi, enfermée. Alors je t'ai seulement dévoré des yeux. Puis je t'ai appelé. Hé, l'oiseau, toi qui du bout du bec sais perforer le bois des troncs, picote donc les barreaux de ma prison. Ton chant a redoublé. Un chat en cage, quelle drôle d'image. Mais serait-il sage de t'aider? Qui me dit que tu ne vas pas me dévorer? À moitié, comme certains, ou bien même tout entier? Je t'ai regardé droit dans les yeux. Et je t'ai dit, je te promets, tout simplement. Et promis, c'est promis. Ma parole t'a suffi. Sans hésiter, tu t'es mis à picoter. Un peu plus tard, derrière toi, je me faufilais sur les toits de ma maison au volet bleu. Puis, de tour en pont, de pont en cheminée, j'ai bondi jusqu'au bout de l'horizon. Et toi, guéguin comme un pinson, j'ai dansé sous la lune. Merci l'oiseau, jamais je ne t'oublierai. Ton portrait est désormais gravé dans ma mémoire, pour de bon, pour toujours. Voilà, l'histoire est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez avoir la référence du livre dans la description. Voilà, si vous voulez vous l'acheter, c'est un très beau livre. Et à la fin, je vous mets le tableau de Paul Klee. À bientôt pour une nouvelle vidéo.